Même si, genre, Kanye fait genre, ouais, je veux pas qu'elle soit sur TikTok. Mais frérot, la mère, sa mère avec qui a une relation proche, comme toutes les filles avec leur mère, surtout quand ta mère c'est une star comme ça, il y a 2 jours, elle montrait ses fesses sur Instagram. Tu penses que ta fille, elle voit pas Kanye? Tu penses qu'elle va pas se dire, bah, c'est la normalité, si ma mère elle fait, je peux le faire aussi? Tu peux pas faire, tu pourras jamais faire genre, non, maman fait ça, mais toi fais pas ça. C'est impossible ça. Elle va juste suivre le chemin au calme. Et tu pourras rien y faire, et ça, c'est de ta faute, Kanye, parce que t'as choisi la mauvaise femme. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mets déjà un j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer. On va bien s'ambiancer, t'inquiète pas. J'ai tout préparé. Non, en fait, j'ai rien préparé, mais on va le faire au feeling. Mais tu aimes bien, ok, y a pas de problème. Donc, ici, c'est Jonathan Hachid. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action. Tu connais, être une meilleure version de soi-même. Et pour ça, il faut faire de l'oseille pour pouvoir être libre. Ça va pas se faire tout seul. Donc, il y a deux choses que je te propose. Tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Okay, si tu n'as pas encore fait 20 40 semaines, ça me paraît pertinent d'y jeter un coup d'œil. Et deuxième façon, et c'est offert, c'est gratuit. Je ne comprends pas pourquoi les gars ils bégayent à chaque fois. Et deuxième façon, c'est Pirate Marketing. C'est ma plus grosse formation. Je te montre comment générer du cash en ligne, okay, et d'atteindre au minimum les 5K par mois. Okay. Et si tu veux faire plus, tu pourras. Ce sera en fonction de ta détermination. Mais bon, le point qui t'intéresse, c'est que c'est 100% financier. Okay, donc, tu as tous les renseignements en description. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le financement, est-ce que tu en as, comment faire pour en avoir, tu peux prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel est offert. Tu pourras poser toutes tes questions et on va gérer de A à Z le dossier avec toi. Ok, donc évidemment, c'est valable uniquement pour les gens qui sont en France. Quoi. Voilà, désolé pour les autres, les gars, mais en tout cas, au niveau du CPF, sinon tu peux payer directement. Tu peux prendre un rendez-vous et payer directement et ça marche aussi. Il n'y a pas que le financement, les gars. Donc voilà, et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux pour chialer encore? On a tous des galères, les gars. C'est, hein? Okay. Donc, passez à l'action, les gars, arrêtez de vous trouver des excuses et passons directement au sujet de la vidéo. Voilà les conséquences lorsque tu choisis la mauvaise femme. Ouais les gars, c'est ce dont on va parler justement de Kanye West et Kim Kardashian. Bon, ça n'en finit pas, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours de l'ambiance. Ça zouk chez les Kardashians, ça zouk avec Kanye, mais ils n'ont pas envie de zouker ensemble. J'ai l'impression que même Kanye, là, il a dit, oh, finalement, j'ai plus envie de zouker. J'ai plus envie de zouker avec Kim, là. Finalement, reviens Kim. Non, ça y est, il a ouvert les yeux. Et là, il a vu que, ah bah non, en fait. Non, en fait, j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie qu'elle revienne. Non, là, c'est bon. Bah oui, parce que les gars, et c'est parfait, en fait, parce que, pourquoi je prends cet exemple-là? Déjà, d'une part, parce que vous aimez qu'on parle de Kim Kardashian et Kanye. Ça, c'est la première raison. Et donc, du coup, forcément, il y aura plus d'attraction pour la vidéo. Et deuxièmement, en même temps, ça me permettra de donner mon avis, mon opinion pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et tu verras, ça a juste du sens. Mais des fois, les gars, vous pensez, on pense, hein, je veux m'inclure dedans, on pense qu'avec ce qu'on a entre les deux jambes et on ne fait pas les bons choix. Et après, on s'en mord les doigts. Donc, ce qui se passe là, parce que pourquoi il y a de l'ambiance, c'est parce que là, ils sont en train de divorcer, ok, mais c'est pas encore acté, mais ils sont en train de divorcer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que bah, forcément, quand tu as des enfants, bah, c'est le bordel, comme d'habitude, la femme a tous les droits, elle fait ce qu'elle veut, et le gars est toujours, il en pâtit, tu vois. Donc, Kanye, bienvenue dans le monde des pères qui galèrent pour voir leurs enfants, qui peuvent pas avoir forcément d'autorité, là, etc., etc. Donc, Kanye, c'est quoi son problème? Il est vénère parce que il veut pas que sa fille, je crois que c'est North, il veut pas qu'elle soit sur TikTok. Il a vu une vidéo sur TikTok, ça l'a déclenché direct. Il s'est dit, c'est quoi ce délire? Je veux pas que ma fille aille, parce que je crois qu'elle avait du maquillage, une vidéo avec du maquillage et tout. Nainana. Il a dit, mais c'est quoi ce délire? Comment ça se fait qu'on ne demande pas mon approbation? J'ai déjà dit que je ne veux pas. Nanana. Donc, du coup, lui il dit ça tout sur internet parce que légalement, c'est la seule chose qu'il peut faire. Voilà, parce que tout le monde essaie de faire comme si Kanye c'est un ouf, il agit comme un ouf, c'est pour ça c'est un ouf et tout, etc. Moi, quand j'ai regardé les vidéos, et d'ailleurs, même l'opinion publique, je vois quand même que c'est quand même mitigé, alors qu'en général, tout le monde est avec la femme, non, en général. Tout le monde est avec la femme de la mère des enfants. Normalement, d'une manière générale, c'est ça. Et du coup, en plus, avec les antécédents de Kanye, que genre c'est un ouf, et tout, toutes les fois où il a frappé, là, genre,
à dire des trucs, des conneries. Je me suis dit, il va se faire défoncer, personne ne va l'écouter, tu vois. Mais quand même, il y a des gens quand même qui sont réceptifs. Parce que ça paraît tellement logique ce qu'il dit. Voilà, enfin, il aimerait bien avoir donné son avis. Il n'a pas envie que sa fille soit sur TikTok avec du maquillage. Bon, ben voilà, tu vois. Et donc, du coup, il vient de prendre conscience qu'en fait, finalement, parce que je crois qu'il voulait qu'elle vienne, parce que lui, il a une Sunday Church, ça s'appelle, c'est une église en gros. Et il a une sorte d'église en plein air, je crois. Enfin, en tout cas, une église, voilà. Et il voulait que ses enfants viennent. Et ils sont pas venus, voilà. Et il y a un autre truc aussi, il voulait que son enfant, quand il voulait l'anniversaire de sa fille, elle voulait pas lui donner son adresse, elle lui a donné un dernier mot parce qu'il l'a dit sur internet, ouais, Kim, elle veut pas me donner l'adresse. Bon, il a plein de galères, il a plein de galères. Et à chaque fois, il passe par les réseaux pour pouvoir se faire entendre parce que légalement, c'est le seul truc qu'il peut faire. Après, il est pas tout blanc, il est pas tout blanc aussi, tu vois. Ok, il dit des conneries, nanani, il menace Pete, le boyfriend qu'elle a en ce moment, je crois que c'est Pete Davidson. Ok, donc du coup, il a même menacé dans un son et tout. Bon, après, c'est un peu normal aussi, hein. Je vais te dire d'ailleurs le texte qui se sont passés parce que là, ce qui s'est passé, parce que c'est ça le point important là, je t'ai mis juste le contexte pour que tu saches où est-ce qu'on en est. Mais en fait, Pete Davidson, il a envoyé une photo du lit. En fait, c'est tellement ouf que j'arrive même pas. Il a envoyé une photo de lui, genre depuis le lit avec Kim. Enfin, je vais te faire tout le truc normalement. Ce qui se passe, c'est que Pete, du coup, il envoie un message. Je crois que c'est à la suite de ça où genre Kanye se plaint. Comment ça, ma fille, elle n'est pas venue au sein de church, ok, donc à l'église. Il veut pas que sa fille soit sur TikTok, ok. Donc du coup, je vais te lire l'échange qu'ils ont eu. Et après, je vais te dire pourquoi, bah, déjà, tu vois les conséquences qu'il y a de choisir la mauvaise personne et pourquoi Kanye, c'est lui qui a déconné à la base. C'est lui qui a déconné dans son choix et c'était tellement visible et il va s'en rendre compte après. Je vais te lire le truc. Mais parce que quand tu fais un choix, tu vois, en regardant leur situation, c'est que quand tu fais le choix de la femme avec qui tu vas être, c'est pas simplement lorsque tu vas être avec elle dans la relation, c'est même après si tu as des enfants. C'est même après en fait. Parce que si jamais il n'y avait pas lieu après, ça aurait pu fonctionner. Si j'avais, par exemple, ils ne se seraient jamais séparés, il n'aurait pas. Ça aurait pu fonctionner. D'ailleurs, ça a fonctionné. Parce qu'ils sont restés, je ne sais pas combien de temps ensemble. 7 ans, peut-être 8 ans. Mais du coup, là, maintenant que c'est fini, ah ben là, c'est plus la même chose. Ok, et je vais donner mon avis par rapport à ça. Donc je te dis quand même ce qui s'est passé. Pete Davidson, c'est un ouf. Yo, alors il commence, boum, yo, c'est Skid, donc c'est Davidson. Can you please take a second and calm down. Donc, est-ce que tu peux te prendre une seconde et te calmer? Il est 8 heures. Je veux pas faire ça. Kim est littéralement la meilleure femme, la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. What she does for those kids is amazing. And you are fucking lucky that she's your kid's mom. Donc, il dit qu'en gros, ce qu'elle fait pour les enfants, c'est juste incroyable et que t'es un putain de chanceux qu'elle soit la mère de tes enfants. I've decided I'm not gonna let you treat us this way anymore and I'm done being quiet. Donc, j'ai décidé que je te laisserai pas nous traiter de cette manière, plus jamais, quoi. Et genre, c'est fini, je resterai plus silencieux. Et après, genre, Kanye dit, oh! Tu profanes, tu vois. Genre t'es insultant, tu vois. Parce qu'il dit fucking, tout ça. Et après, Kanye, il dit, ouais, où est-ce que tu es maintenant? Et après, c'est là qu'il a frappé fort Pete Davidson. Il a écrit, je suis dans le lit avec ta femme. Non, mais c'est ouf, quand même, là. C'est ouf, gars. La photo, donc j'espère, je vais mettre le lien, j'espère que que mon monteur va pouvoir vous montrer la photo, parce qu'il faut au moins que tu vois la photo. Il faut au moins que tu vois la photo. Donc il est là comme ça. Ah, donc c'est au cas où si tu vois pas la photo, mais il est là comme ça dans le lit. Ah, mais gars, mais c'est un truc de ouf, frère. Toi-même, tu sais, c'est un truc de malade. Le gars, il fait ça exprès. Là, il veut faire genre le mec, ouais, je suis raisonnable, lui, il est plus mature que... C'est ça qu'il veut essayer de faire croire aux gens. Je suis plus mature que Kanye, nanani, nanana, tu vois. Et quand il envoie la photo comme ça, Kanye, soi-disant qu'il est un ouf, hein, tout le monde dit que c'est un ouf, hein, il dit, eh ben, je suis content de voir que tu as pu sortir de l'hôpital, que tu es en forme, quoi, maintenant, quoi, en gros, tu vois. Genre comme s'il avait des problèmes mentaux, Pete Davidson, et qu'il en est sorti et ça va mieux, tu vois. Alors, tu vois comment il a réagi avec calme. Mais gars, moi, tu m'envoies ça. Je suis déjà devant chez toi. Le temps que tu finisses d'envoyer ta Miss Sand
avec la photo, t'es comme ça, dans le lit avec ma femme. Mais gars, je suis déjà devant chez toi. Alors ils vont dire, ouais, mais ils sont plus mariés. Là, là. Ils sont encore mariés, c'est pas encore machin. Et d'ailleurs, pourquoi il lui dit, je suis avec ta femme. Ok? Donc du coup, il fait tout pour pouvoir en fait le chauffer dans son ego pour que le gars, genre, il pète les plombs. Moi, pour moi, c'est une stratégie, je pense que c'est une stratégie des Kardashians parce qu'il n'a pas pu envoyer ça tout seul, genre, sans autorisation de Kim, ça m'étonnerait, vu comment ils contrôlent leur communication. Et il a dû le laisser, ah, vas-y, machin, lui, il a fait ça. Ça, c'est une stratégie, les gars. Il voulait juste, je sais pas, il voulait que, genre, il pète les plombs. Il dit, oh, vas-y, j'arrive, je vais te défoncer. J'arrive tout de suite, genre, en mode, il voulait chauffer, tu vois. Comme ça, après, on peut dire, ouais, il est dangereux, il faut pas qu'il voit ses enfants, tu vois. On connaît la chanson, on connaît le classique. Hein. Donc après, il lui dit quoi, Pete? Ouais, il lui dit en gros, ouais, ben oui, genre, en gros, tu devrais aussi y aller de ce genre d'endroit. Ça marche, tu vois. Il n'y a pas de honte à avoir de... bon, là, je paraphrase. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir de l'aide. Après, il fait genre, il commence à vouloir faire le bonhomme. Puis il dit, ouais, tu me fais pas peur, là, Annie. Tes actions sont juste embarrassantes pour tout le monde. C'est triste de regarder comment tu es en train de ruiner ta legacy en un seul jour. Et après, toujours calme, Kaini. Alors que soi-disant, c'est un ouf. Hein. Toujours calme, il dit, tu es le bienvenu à la scène de church, scène de service. Tu es le bienvenu genre à l'église. Et après, Pete, et c'est là que tu vois que sous son air de genre, ouais, je fais genre le mec mature et que genre, c'est Kaini le ouf. Il dit, pourquoi on ne se rencontrerait pas après le service et on irait genre manger quelque chose et on va parler dans une chambre privé de 1 à 1, genre homme à homme, tu vois. Et après, il enchaîne derrière, tout ce que tu fais est dangereux pour, ta famille, et ils vont être effrayés pour la vie, essaie de gérer ça de manière privée, je t'en supplie. Et après, il répond simplement, Kaini, tu vas me voir comme viens à l'église, quoi, en gros, tu vois. Bon, après, je ne vais peut-être pas tout lire. Je pense que j'ai fait le tour. Attends, laisse-moi voir quand même. Je finis pour voir si c'est intéressant. En gros, il dit qu'en gros, il est resté tranquille jusqu'à aujourd'hui. Il pouvait encore faire des blagues sur lui, tout ça. Mais il a arrêté dans l'année parce que, voilà, il est gentil dans l'année, je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand même un truc de malade. Et un autre truc que je vais partager avec toi, que Kaini, qu'il a partagé, c'est quand il se plaignait en fait du fait que genre Kim n'a pas envoyé les enfants à Sunday Church, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, Sunday Church. Donc après, bon, je te la fais simple, je vais pas te lire tous les trucs. Mais en gros, il est vénère et il dit, ouais, voilà, il est vénère parce qu'il n'a pas pu, que ses enfants n'ont pas pu venir à l'église. Et il dit qu'en gros, jamais de la vie, il va laisser en fait le lead à une femme. Et d'ailleurs, il ne veut plus la récupérer. Et c'est là qu'il dit qu'il ne veut plus la récupérer et qu'il est déjà passé autre chose. Et jamais plus, il va pas du tout laisser le lead à une femme qui n'est pas chrétienne, en fait. Okay? Donc après, toi, tu n'es pas croyant, peut-être que tu es croyant, etc., je ne sais pas. Mais lui, il est croyant. Okay? Donc il veut inculquer, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs dans une de ses vidéos qu'il a dit, où il disait un petit peu la situation. Lui, il est chrétien et il veut inculquer des valeurs chrétiennes à sa fille. Du coup, il a dit, en aucun cas, il veut laisser le lead à une femme qui n'est pas chrétienne et qui va lui enseigner du coup un truc qui correspond pas à lui, ce qu'il voudrait pour ses enfants. Ok, donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais, c'est le tour, et je vais te dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça et là l'erreur qu'il a faite. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est qu'à un moment donné, il a dit, ouais, quand il a reçu le truc de Pete là, où le gars était là dans le lit avec le lit de sa femme, il a dit, oui, j'ai eu des conseils de Tory Lanez qui m'a donné le meilleur conseil. Ah, je sais pas si c'est le meilleur gars qui peut te donner des conseils ou de The Game, je sais pas non plus. Ça c'est assez marrant, ça, quand même. Les gars, ils ont dit, ouais, prie mon gars, prie. Cela, voilà, prie mon gars, parce que voilà, il pourra pas faire grand chose. Et donc du coup, là, alors pourquoi du coup l'erreur qu'il a faite à Kaini, parce que Kaini, c'est déjà Kaini, je parlais directement à Kaini. Frérot, elle a été connue grâce à une sex tape. Elle a été connue grâce à une sex tape. Pendant toute sa carrière, elle a montré son cul. Il y a deux jours, il y a deux, trois jours, elle a montré la moitié, le début de ça, l'arrêt de ses fesses. Ok, la moitié de ses fesses, elle a montré un petit peu, pas tout. Elle a montré un petit peu la moitié. Parce que je ne sais pas si elle peut vraiment montrer tout, sans retouche, sans rien. Donc, elle a montré le début de ses fesses. Frérot, à quel moment tu veux que cette femme-là donne des enseignements de chrétien comme tu veux?
Donc l'erreur qu'il a fait Kaini, donc ça j'ai fini de parler à Kaini, l'erreur qu'il a fait Kaini, c'est de prendre une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que lui. Et pourquoi je disais en début de vidéo que ça n'aurait pas posé de soucis si jamais ils étaient restés ensemble? Parce que si tu restes ensemble, vous êtes restés mariés, tu restes le leader. Le gars reste le leader et alors il follow le lead, tu vois. Donc comme d'ailleurs il faisait, avant les enfants ils allaient à l'église avec lui et Kim elle venait aussi. Mais une fois que t'es séparé, bah chacun reprend les valeurs qui sont réelles, chacun fait son comme d'habitude, comme avant en fait. She become to the street, elle va y retourner, tu vois. En plus, non, she's formed to the street. Donc elle va y retourner, tout simplement. Et elle va enseigner à ses enfants la même chose. Voilà, parce que c'est le corps à la garde et que toi, si elle fait ce qu'elle veut, parce que comme tu le sais, hein, soi-disant on est égaux, non. Tout sera toujours par rapport à la femme. Hein, si jamais elle veut pas qu'il voit ses enfants, elle n'aura pas de problème, elle n'aura pas de galère. Petite parenthèse, il y a comment il s'appelle lui encore? Chris Brown, qui a été accusé par une femme de genre m'a violé, etc. Et ben elle a menti complètement. Il y a une preuve, elle dit un audio, je crois, elle dit un truc, ouais c'est où tu me donnes de l'argent, où tu me rappelles, j'ai encore envie de baiser avec toi, un truc comme ça. Déjà qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau à la meuf? T'as envoyé un vocal, mais tu vas machin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est déjà fait salir dans les journaux, dans les médias. Il s'est déjà fait salir. Donc les gens, ils vont même pas savoir, c'est toujours la même chose. Hein. Même s'il est lavé, derrière, dans l'esprit des gens, il a violé la meuf. Et ça va rester, tu vois. C'est comme Tory Lanez, tout le monde pense encore qu'il a tiré sur Meghan, alors que les preuves montrent que non. Ou en tout cas, rien ne prouve qu'il a tiré sur elle, tu vois. Mais on laisse circuler ça. Donc Meghan, elle peut mentir comme elle veut, ça pose aucun problème. Meghan n'a pas tiré sur elle en fait. Voilà. Mais tout le monde reste dans le truc. Ouais, même Tory Lanez a tiré dans les pieds de Meghan Stallion. Qui est pareil pour la meuf qui s'est fait violer par Chris Brown. Voilà. Donc c'est toujours comment dire l'histoire de la femme qui prime et qu'elle mente ou pas, elle a aucune conséquence. Par exemple, la femme laisse celle qui a dit que genre elle va elle s'est fait violer par Chris Brown, eh ben elle a aucun problème. Elle a menti, mais voilà. Le gars aurait pu être, je sais pas, il devait poursuivre pour 20 millions, un truc comme ça. Il aurait pu perdre 20 millions, alors que c'était pas vrai, etc. Parce qu'après, c'est le gars qui doit se débrouiller pour prouver que non. Mais on est égaux, hein, féministe, je sais pas quoi. Donc du coup, il n'y a jamais aucun retour de bâton pour les femmes quand elles font n'importe quoi. C'est seulement quand les hommes font n'importe quoi. Et donc du coup, Kim a pu faire la même chose, en fait. Et c'est pour ça qu'il utilise les réseaux. Parce qu'il n'a pas d'autre façon en fait, de faire valoir, faire porter sa voix en fait. Et il a de la chance d'être lié, ce qu'il s'appelle lié, Il a de la chance, Kaini, d'être qui il est, gars. Sinon, gars, tu serais retrouvé comme tous les gars qui n'ont aucun pouvoir. Si tu n'as pas d'oseille, tu n'as pas de voix, tu n'as pas de followers, tu n'as rien. La meuf, elle fait ce qu'elle veut. Donc quand vous choisissez une meuf, les gars, c'est sûr que Kaini, si jamais tu n'avais pas choisi une meuf qui était religieuse, puisque c'est ce que tu veux apparemment, et qui enseignait ça, ce genre d'éducation à tes enfants, fallait en prendre une qui est religieuse. Pas une meuf qui a fait une sextape et qui continue à montrer son cul jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Enfin, même si genre, Kaini fait genre, ouais, je veux pas qu'elle soit sur TikTok. Mais frérot, sa mère avec qu'elle a une relation proche comme tous les filles avec leur mère, surtout quand ta mère c'est une star comme ça. Et il y a deux jours, elle montrait ses fesses sur Instagram. Tu penses que ta fille, elle voit pas, Kaini? Tu penses qu'elle va pas se dire, c'est la normalité, si ma mère elle fait, je peux le faire aussi? Tu pourras jamais faire genre, non, maman fait ça, mais toi fais pas ça. C'est impossible ça. Elle va juste suivre le chemin au calme. Et tu pourras rien y faire, et ça c'est de ta faute, Kaini, parce que t'as choisi la mauvaise femme. Qu'on dit, les gars. C'est pourquoi je dis des fois, ouais, les gars ne cherchent pas des femmes avec un passé comme Kaini. Comme Kim, les gars ne cherchent pas une femme comme ça. C'est super rare. J'avais dit, il n'y a qu'un ouf comme Kaini qui peut faire ça. Il en paye les conséquences. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, les gars, vous ne devez pas aller choisir des femmes comme ça, même si elles sont très attrayantes et que tu crois machin, elle est super belle, etc. Mais j'avoue, Kim, jusqu'à aujourd'hui, elle est fraîche. Mais pas pour la mère de tes enfants. Ouais. Après, son truc aurait pu fonctionner. Si c'était resté ensemble, qu'il avait toujours le lead. Ça aurait pu passer. Mais maintenant qu'ils sont séparés, les gars, pour tes enfants, c'est mort. C'est mort, tonton. Tu vas faire quoi? Elles vont faire comme leur mère. C'est l'exemple. Comment tu vas dire, comment tu vas expliquer à tes enfants de ne pas faire comme leur mère, alors qu'elle est successful et qu'elles ont l'air d'être super cool et de rationaliser le serait normal de montrer son cul, même si on a quatre enfants, sur Instagram. Voilà. Donc voilà, les gars, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.
N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, c'est 100% financier, tu as tout en description, pour pouvoir aller plus loin et enfin créer de l'argent. Parce que plus tu auras de l'argent, plus tu vas pouvoir choisir les bonnes femmes, ok? Hein, Kaini, non, Kaini. Il n'y a que lui qui... Kim, c'est... franchement, je ne vois pas avec qui elle aurait pu avoir une relation. Elle galérait de toute façon, elle est de homme en homme, Kim. C'est normal. Les gars veulent pas se mettre, ils veulent pas que leur mère des enfants soit une meuf qui soit dans une sextape, frérot. Tout le monde a vu les intimités de la mère de tes enfants. Ben voilà, ben ça a des conséquences. Oui, c'était sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.